Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment prendre soin de vos yeux, surtout si vous travaillez face à un ordinateur toute la journée. Alors déjà, toutes les 15 minutes, je vous invite à faire deux respirations en conscience et porter votre regard le plus loin possible devant vous. Si vous avez une fenêtre par exemple, eh bien laissez perdre votre regard le plus loin possible, simplement pour défocaliser vos yeux de l'écran de l'ordinateur. Et puis, peut-être vous allez pouvoir aussi faire deux respirations en fermant l'œil droit, en le perdant le plus loin possible à travers la fenêtre, et ensuite fermer l'œil gauche. Et encore une fois, vous respirez en conscience deux fois et perdez votre regard le plus loin possible. Vous allez voir, c'est important, ça va permettre quatre fois chaque heure de reposer un petit peu votre regard et le défocaliser de votre écran d'ordinateur. Le soir, quand vous rentrez à la maison ou en fin de journée, ou si vous sentez que ça commence à tirer au niveau oculaire, eh bien, je vais vous inviter à relâcher les différents muscles du globe oculaire. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez rester assis sur votre chaise ou vous mettre debout et vous allez garder votre regard devant vous, le nez pointe devant. Vous allez lever votre main le plus haut possible et vous allez, sans bouger la tête, regardez avec les yeux le plus haut possible pour aller voir la limite de où vous pouvez suivre l'index. Une fois que vous avez cette limite, eh bien vous allez descendre votre index le plus loin possible à la limite pour ne pas le perdre des yeux et étirer vos deux yeux vers la droite, ensuite vers le bas. On va chercher vraiment la jonction où on perd presque l'index de sa vision, et ensuite on passe le relais à l'index gauche et on remonte, on finit l'hémicercle à gauche et on va étirer sa vision à gauche et en haut de nouveau, et puis on redescend de l'autre côté, on repart en bas, on étire son regard à gauche, en bas, on donne le relais à l'index droit, on étire le regard à droite, on monte et en haut tranquillement. Je vous invite à faire 2-3 cercles comme ça, doucement, en conscience. Vous allez voir, pour étirer votre regard en haut, puis sur les côtés à droite, en bas et à gauche, vous allez voir, ça va relâcher énormément. C'est vraiment un stretching des muscles oculaires. C'est vraiment un stretching oculaire qui va vous faire le plus grand bien en fin de journée pour reposer vos yeux qui ont focalisé encore une fois à 30 cm sur un écran de l'ordinateur la majeure partie de la journée. C'est beaucoup plus simple de faire en suivant son index, même si vous êtes assis sur une chaise, parce que si vous n'avez pas un repère visuel avec votre index en mouvement et que vous essayez de le faire sans repère visuel, eh bien vous allez voir que votre regard il va être saccadé. Donc vous aurez un meilleur stretching des muscles oculaires en suivant un guide, en suivant votre index. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à faire le palming. Vous allez frotter les paumes de vos mains comme ceci pour faire monter l'énergie, monter la chaleur. Et puis tranquillement, vous allez fermer vos yeux et vous allez venir coller vos mains pour vraiment ne plus laisser passer du tout de lumière. Vous allez relâcher bien sûr les coudes, les épaules, pour ne pas contracter les épaules. On vient collaber au-dessus des yeux qui sont fermés et on profite de sentir la chaleur, l'énergie qu'on a accumulée pour reposer les yeux. Et tranquillement, je vais vous inviter à ouvrir les paupières. Et si les mains sont bien collabées sur les yeux, eh bien, je vais vous inviter à profiter des petites taches d'huile, des hologrammes peut-être que vous voyez, les yeux ouverts dans cette obscurité qui est faite par vos mains. Et puis tranquillement, on va écarter les mains très très doucement, laisser pénétrer quelques rayons de la lumière. Et tranquillement, on va refaire encore une fois. On fait monter l'énergie. Le palming, c'est très très bon aussi pour ressourcer les yeux. Je vous invite à le faire dans la journée quand vous avez une fatigue oculaire, quand vous avez les yeux qui commencent à pleurer par exemple. Et de nouveau, une fois qu'on a fait monter l'énergie, que les paumes de main sont chaudes, eh bien on va fermer les paupières, on vient coller les mains par-dessus tranquillement. Les mains sont en cuillère légèrement, donc les paumes de main ne touchent pas
mes globes oculaires, ne touche pas mes paupières. Et puis je profite, en respirant calmement, de sentir cette énergie, cette chaleur qui vient régénérer, ressourcer mes yeux, mon système oculaire. J'ouvre mes yeux tranquillement, toujours dans le noir. J'ai bien collabé mes mains pour ne pas laisser rentrer de lumière. Je vais écarter mes mains très très doucement pour faire pénétrer la lumière de façon très douce. Je vous invite à faire cette pratique tous les soirs et vous allez voir que votre système oculaire, votre système visuel va vous en remercier. Vous allez pouvoir régénérer votre vision, reposer vos yeux, surtout encore une fois si vous passez la majeure partie de votre journée devant un ordinateur. Je vous invite à nous mettre un petit pouce pour nous encourager à continuer de faire des vidéos pour vous et laissez-nous en commentaire les sensations que vous éprouvez. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a inspiré pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.